Ah bonjour, comment ça va? Salut Moonrise! Salut. C'est bon, tout le monde est Ah capté, tout le re. monde est capté. Il y a le son, il y a les machins. Ah, tout le monde, c'est bon. Chaboum! Oui, chaboum, chaboum toujours! Oui, mais je suis une grosse feignasse. Hop, Dédé, hop là, comme ça. Payez pas ni le nom du serveur, ni le mot de passe. Hop, pouf, pim pam poum. Méga feignasse, moi. Grosse, grosse feignasse. Ça devrait être interdit. Ben, quoi là, quoi. En fait. Ah! Allez, du coup, faut que je remonte le son. Dieu! C'est bon, j'ai tout le monde. Ding ding ding. Oui. Voilà. Ah oui, on était parti en expédition. Ah oui, on bouge la baraque. C'était On bouge la la baraque. transhumance. Et écoute, bah on met bien, hein. J'ai envie de dire, on va continuer notre petit périple. Il semblerait qu'il faut en profiter. Pourquoi je suis dans l'eau? Ah oui, je voulais me refroidir. Oui. On doit en profiter pendant les 2 jours, la météo a l'air cool. Donc bah, peut-être qu'on trace. Eh ben Et attends, tiens, faut. Ah! tu me dis qu'il y a de l'eau là? Ouais, il y a de l'eau, il y a plein de ressources. Attends, je te rejoins. Ah, si je mais elle est crois. énorme cette caverne. Attends, je te rejoins parce que je dois bien remplir ma gourde. Mais ah ouais, mais t'avais super profond. Sans Bah, rencontrer juste. d'ennemis. Bah, non, il y a personne. C'est Waouh, juste c'est que super. j'arrive plus à sortir. Moi, mon perso, il a encore des petits icônes un peu particuliers. Genre, attends, c'est quoi? Coup de chaleur, tu vois. J'ai encore le coup de chaleur, j'ai encore la surchauffe. Est-ce qu'il faut que je me baigne totalement pour le. Bah moi j'ai fait plif plaf plouf. J'arrive plus à ressortir. Ah c'est donc par là la sortie. Hop, C'est où? c'est. Bah d'où tu viens, je suppute? Ouais, tu peux. Ouais, c'est vrai que oui, moi aussi, je suis bleu. Arbre tech revue new compo. Ah bon? J'ai vu qu'on pouvait accéder même à pas mal de Oh choses non, de j'ai 23 du points. menu des sections du personnage. Et pour le moment, je voudrais pas dire de conneries, mais moi, mon jeu, il est moins saccadé, il tourne un petit peu mieux. Moi je dis plus rien, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, il y a une soupe. Donc je ne dis plus rien. Voilà, je me tais. Ah, j'ai encore mon coup de chaud. Mais ça passe pas non plus. Ah, mais attends, du bandage réfrigérant, peut-être, non? Ah oui. Et. Eh bah, parfait, oui, ça va me l'enlever, tu vois, nickel. On joue avec un. C'est pas hyper chiant à. Non merde, je suis pas sur le bon. Attends. Ah, oui, effectivement, ça a été fortement réorganisé. Fil de cuivre, etc. Ok. Ça me perd un peu parce qu'il y a même des trucs, je vois pas où ils sont passés. Par exemple, Il y a ce con. je vois plus le processeur matériau dans la liste, mais genre plus du tout. Attends, c'était pas lié. C'était petit. Si ça y est, je l'ai, mais d'accord, c'est qu'il a vraiment bougé. Ok, avec la pâte composite. Ah oui, c'est. Ah oui, non, mais. Ah, on peut fondre l'acier dans le four à pierre, d'accord, ok. Dans le petit fourneau, ouais, d'accord. Okay. C'est cool ça. Bah du coup par contre ça rend on va bien bien. Mais comme si c'était déjà pas assez compliqué. Est-ce Titanium. qu'on irait pas là, on se bougerait pas un peu? Si, 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 si. T'es où? Là-bas. Non, parce que moi je sais plus par où je suis venu, hein. Je sais pas si t'as vu mais attends. Merde, j'ai oublié de prendre de la flotte en bas. Oh. Hop, j'ai donné un petit peu d'eau, disons. Et si tu peux, si ta gourde est pleine, donner un peu au moi. Oui. T'as emmené des trucs à eux pour bouffer. Nickel, bah je le reprends en follow. Ils arrivent. Vas-y, vas-y. Mais elle est à noter cette cave parce qu'il y a vraiment Ouais, mais plein elle de est super trucs. facile, regarde, à retenir. Parce que ça Oui, transforme mais dans la map je en 2 re-regardais où secondes. c'était.
que moi j'ai eu le temps d'en oublier depuis le dernier live. Hein, et j'ai oublié ce que j'ai foutu hier. Est-ce que vous trouvez ça gênant dans la lecture du chat, les encarts colorés autour? Donc faut que je mette toi, You Follow Me. Et toi normalement tu follow avec. Toi. Voilà, faut que tu remontes sur un et ah, tu, tu attends. On est dans Arc. C'est-à-dire. Ah. Voilà. Putain. Voilà. Il me suit l'autre con. Oui, il me suit. C'est bon. Mais quoi, tu oublies mes petites oreilles grises? De fort belles oreilles grises. Ah, le mot il m'attend à te suivre, c'est impressionnant. Oula, rollback. Déjà qu'il y arrivait pas, en plus de ça, il a reculé bichette. Je pense qu'il va dévaler mon bison. Oui. Non. Ça aurait dû faire le. Ah si si, il arrive. Oula, oulala. Oulala, oulala. Oulala la descente. Ouh, bichette. Ah bah si, il a pris des dégâts, ouais. Ah oui, non mais là en même temps t'as fait une chute. Enfin, est-ce que je pourrais pas. T'as pris de la bouffe normalement. Je vais lui en donner un peu. J'en ai. Hop, sur moi, ouais. Bah je vais le donner, t'inquiète. Oh, bichette, la pauvre croquette, ou oh. Voilà. Il s'en est pris une. Tiens, bah, descends. J'avoue que... Je m'attendais pas à ça en dégâts de chute. Bah, je me suis dit, est-ce que c'est... T'as poussé un peu le vice, là, quand même. Ah oui, mais moi, il faut que je teste. Que... Hein, là, c'était violent, quand même. Ah, oui, oui, plutôt. C'était... Ah, voilà, quoi. Ah, il y a une petite oasis, ici. Ah bah, nickel. On va pouvoir faire une petite halte. Bah, tu vois, c'est pas le petit point bleu qu'on disait la dernière fois. Si, tu vois. Si, c'est le truc vert. On savait pas ouais, ce que ouais, c'était. Bah, en fait, elle est pas bleue, elle est... Ouais, ça c'est turquoise, c'est... C'est empoisonné, comme pas permis, l'histoire. Bah, pourquoi? Bah, parce que... Il y a... Par contre, tu vois, pour le coup, je sais pas ce qu'il y a dans cette partie de ce désert-là par rapport à celui qu'on avait en haut, mais celui-ci, il y a quasiment que des herbies. Il y a très peu de prédateurs. Oui, alors, parle pas trop vite, mon gars. Hein. Oui, mais rappelle-toi. Tu vas nous attirer la poisse. C'était uniquement des pumas, ouais. Des hyènes. Oui, c'est vrai qu'on se faisait beaucoup... Il y avait des éléphants aussi qu'il n'y a pas dans cette partie. Ici, c'est antilope, tu vois, antilope et grandes antilopes. Au plus. Pourquoi par contre tu joues à... c'est un geyser non? Ouais. Ok. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de bois, j'aurais peut-être dû emmener des matériaux, on aurait pu juste construire une petite caillou de passage, tu sais. Ah bah là, il y a plein de palmiers là. Tu crois? Ouais, mais tu crois qu'il y aura assez? Bah je vais essayer au pire. Comme ça pourrait faire de quoi se protéger. Après tu peux ratiboiser l'oasis, hein, on s'en fout. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, pourquoi qu'elle est verte cette flotte? Pour aucune raison. Ah, ça doit être une grotte. Je pense. Donc il est 16h, est-ce qu'on continue le chemin? Ou est-ce qu'on pénalte ici pour prendre le temps de... Après, l'avantage, c'est qu'on sait qu'ici, il y a de l'eau. Oui. Donc on peut tenter la cahute. Ouais, je vais en tenter une petite, ça fera un petit point de chute. You stay here. Kouma Chacha, comment ça va? Salut. Ouais, c'est ça, vu comment ça s'allume le bordel, c'est bien une grotte. Donc on sait qu'il y a une grotte, il y a de l'eau, il y a des poissons. Non, j'ai l'impression que c'est trop petit pour qu'il y ait des poissons. Je suis ma foi fort déçu. Ah bah ça va. Mais non, je veux pêcher moi.
On arrive avec le petit bison, hein. C'est pas grave. Oui, je vous vois arriver. Je fais un petit tour vite fait du proprio. J'assure les arrières. Le cactus, moi, je commence à débiter. Fibre et bois, ok. Non, mais par contre, réellement, hein, j'ai moins de lag et c'est un peu plus. Ouais, moi aussi, je suis 75 full. Ouais, et ça bug beaucoup. Depuis tout à l'heure, et ça ne déconne pas. C'est très agréable. Bah écoute, il n'y a rien qui traîne, je vois pas de préda. Tu me dis si tu veux que je te farme de la pierre, du bois, de la fibre. On va vraiment farmer le bois là. Ah oui, c'est bois. On t'a demandé quelque chose là, dans le chat. Non, pas respect. Ah pardon! Pardon. Story time. Attends, il en faut une que toi tu connais pas. Ça devient Tandax. J'ai fini aux urgences pour la communion de ma cousine. Parce que je suis une grosse neune. Il y a quelques années quand même, ma cousine a fait sa communion, donc il y avait toute la famille, tout le bazar, et avec ma cousine on se fait profondément parce que bah il y a surtout des adultes qui discutent, qui mangent, qui boivent, machin, et bah, c'est chiant quoi, au bout d'un moment on s'emmerde, et on décrète de partir faire du vélo, juste à côté de chez elle. Route qu'on a fait, mais je ne sais pas combien de fois, qu'on connaît par cœur, sauf que j'ai oublié un petit détail. Pour la communion, j'ai mis une robe, j'ai des chaussures qui se faisaient bien dans ces années-là, qui ne se font plus aujourd'hui, mais en gros, c'est des sabots effet jeans avec ça de semelle. Et le creux bien au milieu pour la semelle à l'avant. Je me rétame, mais dans une ligne droite en plus. Dire, c'est même pas un virage ou quoi, j'ai pas tenté de faire des cascades en pleine ligne droite au moment où on rentrait. En fait, la robe se coince dans la pédale, qui se coince dans le talon, qui se coince dans la chaîne du vélo. Parce que vous avez suivi. T'étais pas en train de boire à tous les coups? Non, même pas. Ah bah non, à vélo, encore moins qu'à pied. Hein. Et bien, du coup, bah voilà, je me vautre, lamentablement. Et sur le coup, je dis à ma cousine d'aller chercher les adultes. Parce que j'ai le genou droit. C'est un beefsteak. C'est un beefsteak. Et j'ai un peu mal quand même. J'avais pas de casque, hein, bien sûr. Bon, la tête, ça va, mais ouah, la jambe. J'ai mal, quoi. Donc, elle était pas très loin. Vas-y. J'ai besoin de film si tu peux m'en faire, s'il te plaît. Oui. Elle part vite chercher les adieux. Donc ma mère et ma tante et ma marraine reviennent. Donc en fait ma mère et ses deux sœurs en gros. Et sur le coup, maman, si tu passes par là, hein. Là, ma mère, infirmière. Mais non, c'est rien. Allez, marche. Lève-toi et marche un peu. Je me lève, je marche, mais j'ai mal, je gueule. Ça me fait vraiment très mal. Au bout d'un moment quand même, à force de voir que bah, je continue de gueuler alors que ça fait 20 minutes que je me suis rétame, on décide de m'emmener aux urgences. Et arrivé aux urgences, la petite infirmière que j'ai eue au début, bah pareil, hein, c'était un peu « ça va, elle est tombée, elle a rien, nanana ». Oui, voilà un peu. Et non, ça va, elle a rien, mais bon, dans le doute, on va lui faire passer une radio. Et en fait, il s'avère que je me suis remonté mon tibia, du coup avec la tête de péroné ou je sais pas comment ça s'appelle là. Je me suis remonté dans la rotule et j'ai remonté ma rotule dans mon fémur et j'ai remonté mon fémur dans la hanche. Donc en fait, je me suis raccourci la guibole qui était déjà ma jambe la plus courte. Et sur le coup, ils ont même hésité à savoir s'ils m'opéraient ou pas pour faire redescendre tout le bordel ou d'attendre de voir si ça redescendrait tout seul. Tu fais de la fibre, s'il te plaît. Oui, je suis en train. T'as 2 minutes? Non. Mais dis donc. Non, je suis pressé. Et donc, j'ai pas été opéré.
Et au final. Mais attends, je t'en ai relâché. Reviens ici. Ah bah du coup maintenant je sais pas où elle est. Bah démerde-toi. Est-ce que j'en ai eu 144, c'est pour ça que tu m'as lâché? Non mais je t'en ai relâché 200 après. Ah. Donc tu te débrouilles, tu les retrouves. Allez, dépêche-toi. Et du coup au final ça n'est jamais redescendu. Ça n'est jamais retourné à la normale. Oui, c'est resté comme c'était. Du coup j'ai un gros décalement du bassin dû à cet accident de vélo. Voilà. Si j'avais su, hein. Et ben j'y serais pas allé faire du vélo. Et j'aurais continué à me faire chier avec les grands. Tu m'as acheté de la clim? Oui. Purée, je passe partout, je vois rien. Bah oui, mais voilà, mais t'as fait n'importe quoi parce que tu t'es barré. Bah tiens, t'as relâché. Attends, On va se je mettre regarde là. si je vais peut-être le retrouver, hein. Tiens. Merci. Mais non, c'est resté comme c'était, puis maintenant, bah, pff, trop tard pour m'opérer, quoi. Foutu pour foutu. Donc en fait, je me suis bousillé tout le cartilage du genou droit. Où je me suis fait une entorse au volet après adolescente. Et où, quand j'ai eu mon accident de voiture, il a fini dans le volant. Voilà. Celui-là, je lui en veux, hein, le genou droit. On n'a Et pas besoin si. du loup. Non. Et si, quand on m'a enlevé les. Le goudron, hein, que j'avais dans le genou. Moi, je m'en fous tout ce qui est sang, tout ce qui plaît. Tant que ça touche pas le visage, je m'en contrefous. Franchement, vous pouvez perdre vos boyaux devant moi, je m'en fous. Et du coup, je regardais avec grande fascination l'infirmière en train de m'enlever la route que j'avais dans le genou. Et à un moment donné, j'ai fait, c'est quoi le truc blanc? Et en fait, c'était ma rotule. Qu'on voyait. Pour vous dire à quel point j'avais fait ça bien quand même. C'était ma rotule, c'était un bout de ma rotule. Mais j'ai pas eu de points. Du coup, j'ai une cicatrice dégueulasse. Sur le genou droit. Elle est immonde. Mais bon, tant pis. Hein. Ils ont pas voulu me recoudre. Ils ont dit, ouais, non, ça sert à rien. Bon. Ils m'ont laissé comme ça. C'est pas grave, hein. Je leur en veux pas. Mais bon. Maintenant, j'ai une cicatrice dégueulasse. Mais j'ai pas cassé le vélo. Le vélo, elle est super bien. Mais moi, beaucoup moins quand même. J'avais un peu mal. Et à l'arrière, dans la voiture, j'étais avec ma marraine qui ne supporte pas la vue du sang. Et on a cru qu'elle allait verser juste de me surveiller à l'arrière, que je me fasse pas mal. Elle était. Mais vraiment, elle supporte pas du tout la vue du sang. C'est un truc, mais de fou. C'est que même une toute petite coupure. Vous savez qu'on se fait avec la feuille de papier, le truc bateau. Ça fait plus mal qu'autre chose, mais c'est rien. Et bien, juste une toute petite goutte comme ça, elle est à deux doigts de verser à chaque fois. C'est impressionnant comme elle ne supporte pas la vue du sang. Et moi j'étais à côté et je regardais mon genou. Je pensais juste à essayer de pas en foutre sur la maquette de la bagnole quoi. C'est tout. Donc voilà, moi j'ai des photos très particulières de la communion de ma cousine. J'ai les best photos ever. Personnel et même. Hein. Enfin, Bichette, en plus, ma cousine, elle s'en voulait parce que, bah, pour elle, si elle avait dit non, bah voilà, il me serait rien arrivé. Après, j'ai envie de dire, j'étais déjà quand même assez grande et. Moi, j'étais bien d'accord pour me barrer aussi. Hein. On était deux dans l'histoire. Il n'y avait pas que elle. Bon, l'avantage c'est que j'ai été dispensé de sport pendant 3 semaines. Je suis pas sûr que ce soit un avantage que ça. Pour moi, si. C'était la meilleure nouvelle qu'on pouvait me dire. Parce que c'était l'endurance.
Et que comme j'aimais pas ça... Tu seras dispensé de sport pendant 3 semaines. Ah oh ouais, merci. Toute la durée des cours d'endurance. Ah oh ouais. Et puis j'étais refaite. Ah, les potes, ils rigolaient moins après. Ils se foutaient de ma gueule au départ avec mon gros bandage là sur ma cheville. Sur mon genou. J'avais tout pété. Eh, mais après, ils faisaient moins les malins. Quand ils couraient et que moi j'étais dans la cahute là, tranquille. Grande faim, toi, attends, faut que je te donne à manger. Tiens, l'oiseau. Hop, toi aussi. Ah, si tu peux les nourrir, ça sera pas mal. Hop. Voilà. Et peut-être filer à bouffer au bison. Je t'ai fait plein de stacks de bois. J'ai surtout besoin de fibres. C'est vraiment c'est la fibre qui me coince là. Si tu peux en avoir un petit peu s'il te plaît. Oui. Est-ce que j'aurais pas moyen si. Attends, je file notre coco à mon bidon. Ah, hop. C'est pas possible. Je t'ai mis de la fibre dans le bison. Merci. Je la vois pas. Bah, elle est un peu plus bas. Ah bah moi elle est en haut du coup. Je sais pas trop comment ça se fait le truc. Why not, hein? Mais. Filtrer ou trier? Ah, d'accord. J'ai même pas fait gaffe qu'on pouvait filtrer ou trier. Moi, je trie par. Par genre, tu sais, genre tous les lingots et tout. Ah oui, j'avais pas vu, effectivement, tu m'as mis beaucoup de steaks de bois. C'est pas mal, merci. Ah bah. Non, parce que je connais ta folie des grandeurs, ça commence par une cabane et. Non, tu vois, là, c'est. Et ça finit en palace. Il m'emmerde ce geyser. Il m'a fait peur. Il commence à faire froid un peu. Oui, je vois qu'il fait moins 4 degrés quasi. Je suis en train de ramasser 15 kilos de fibres. Je pense que je t'en ai ramené assez. Si jamais il en faut plus, je retournerai. Non, pas de soucis. Est-ce que je peux en mettre ouais, je peux te les mettre que 200 par 200 dans le bison. Écoute. Voilà. Bon, la cahute, elle est fermée, ce qui fait que dedans, il fait la température est positive, c'est plus du négatif. Il fait 2 degrés. Ouais, mais c'était moins 8 quand j'avais pas fermé. C'est bien 2 degrés, c'est sympa. On va faire ce qu'il faut. Au pire des cas, on peut. Si on veut même pas construire, on est même pas obligé. On a juste à sortir des trucs du bison et les mettre là en attendant, genre un feu, un foyer, des trucs comme ça. Oui, oui, on récupère en partant. Hop,
C'est quoi comme structure que je l'avais mis? Il y a un fourneau, mais... On n'a rien emporté, non? Ah, je pensais qu'on emportait plus de choses, tu vois. Je suis pas sûr qu'on ait emporté tant de choses que ça à ce Attends, au pire des point de camps, on va vue-là. se faire une petite cheminée. Écoute, je vais taper un peu de pierre, il y a assez de bois là et... Et je vais nous faire une Bah, ça cheminée. aussi, c'est pareil, de la pierre, je peux t'en. Allez, viens là, contre-piaf. Ah, stop, 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 stop. Stay here. Voilà, gentil oiseau. Mais t'as besoin pas trop, il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein, je l'aurais fait tout seul. Oh merde, toi, hein. Tu vas pas abîmer Ouais, t'aimes ta. bien avoir des stocks. Retirer ces gourdes, c'est Hein? quoi? J'ai pas compris. Ah, la gourde apporte un truc de rafraîchissement. Ah oui. D'accord. Écoute, c'est bon, regarde. T'embête pas plus, j'ai fait la cheminée. Bah, comme ça aurait fait un stack. Ah oui, vas-y, vas-y, pas de soucis. Parce que sinon, je sais pas quoi me foutre. Bah non, t'as raison, prends-en, parce que si on pouvait avoir au moins un banc d'artisanat là-dedans, ce serait peut-être pas mal. Ah Hein. putain! Par contre, tu peux attaquer. Un scorpion qui attaque le piaf. C'est bon, je suis là, je suis là. Top et reviens le piaf! Non mais Bah, tout vas-y, va tu peux bien! récupérer, attends, je te suis. Ah, c'est bon. C'est le tien en plus. Ah, sale bête! Ah, faut que je monte un peu plus le son du jeu parce que je ne l'avais pas entendu. Oh, la vilaine bête! Jason Momoa. Allez, viens te réchauffer si tu as besoin. Comme ça va une cheminée. J'essaie de sauver ta bestiole. Et qui apporte confort et chaleur dans cette petite demeure. Nous avons donc 7 degrés maintenant, vois-tu. C'est fort bien. J'aurais presque fabriqué un petit banc d'artisanat, mais tu vois, le problème c'est qu'il faut 20 cuirs parce que tu as la possibilité de chasser un petit peu. Mais j'ai 20 cuirs. Eh ben, c'est parfait. Mais je suis parfaite. Et ce poil, ce con. Allez, on Bah te l'accorde, tiens. pas loin. Oh putain, vas-y, on te l'accorde. Ouais, pour te faire plaisir. Ça, tu fermeras ta gueule après. Adorable! Adorable! T'aurais pas mis le feu quelques épisodes avant, je dis pas. Quelques épisodes avant, c'était au début, c'était le premier! Oui, mais c'était la première maison, il y avait quelque chose, une petite accroche sentimentale et t'as brûlé, c'était pas beau. Voilà. Oh, non mais... Allez. T'es où? Tiens. Bah, en face de toi. Merci. Suite, cramer la maison. Pas fait exprès. Eh, t'en as cramé une aussi, toi. En marchant dans le feu. Moi, c'est que je regardais ce que t'étais en train de faire. J'apprenais. C'est pas ma faute. Ce truc, je vais te planquer là ou là, je sais pas trop. Allez, là, ce qu'il faut, je mettrai l'enclume à droite et un rangement à gauche. Comme ça, on peut construire, si on a envie, on peut faire une cheminée, une vraie, à la place de S'en ce fout, on truc. reste Et... pas. Oui, mais c'est au cas où, si on a besoin d'un truc. Parce que là, on n'est pas arrivé encore. Je regrette de pouvoir réparer certaines choses et faire fondre sur ma maison. Elle est où ma petite carte? Interactive. Là. Ah, c'est cool, t'as mis de la bouffe. J'allais dire, j'en ai presque plus en plus, c'est parfait. Nous, on est... Ah! On est là. On est là. Il y a le canyon de l'enfer à traverser, là.
Ah ouais, il y a un canyon et tout. Ouais, il y a un truc, ça ressemble à un coupe-gorge, cette histoire. Vers ça commence à C11 et ça va jusqu'à B7. Ah oui, d'accord, quand même. Et c'est la seule route disponible. Ah, il n'y a pas le choix. Ok, bah écoute, en attendant, tu sais quoi, regarde, ah, quoique. Attends. On peut arriver en C10. Mm-hmm. Non, pas si loin que ça. Bifurquer à droite. Pour passer par D10, D9, D8, D7. Et on esquive le canyon coupe-gorge. Bah écoute, pour une fois, c'est moi qui vais te suivre. Sans avec le bison, je suis. Et il y a deux caves côte-côte, donc si jamais on a un pépin, il y en a une d'ailleurs en D11 aussi. Bah, il y en a une ici de toute façon, si on veut. Oui, il y en a une ici. Bah, en fait, c'est là. Non, on est là. Ce qu'il y a, c'est que là, il marque qu'il y a le gros vilain vert des sables. Ah! En C10, et on n'a pas le choix, on est obligé de passer par C10. Est-ce que tu aurais un peu de fibre encore, s'il te plaît, ou c'est un peu jamais de la vie. Ah. Si, je crois que j'en ai sûrement en plus. Ah bah attends, tu sais quoi, regarde, je te mets tout dans le banc d'artisan. Hop là. Ok, merci. L'enfer, c'est maintenant, ne loupez pas ce nouvel épisode de la saison 2. Non, mais j'ai beau... On n'a pas le choix là, c'est... Ah ça va, franchement pour le coup, on est en facile. Rien de bien dur. Souvent on galère pas trop pour... Par... Là. Il dit il y a la grosse bête. Moi, mes grosses bêtes, elles sont là. Elles se sont déplacées, elles sont bas là. Donc si ça se trouve... Allez, blaze, on passe. Après, une fois arrivé là-bas, donc vu qu'on bifurque D9, D8, D7, 1, D6, c'est marqué panthère. Je sais pas si c'est bon signe qu'il s'est marqué panthère. Là, c'est marqué mammouth. Là, c'est marqué alpha wolf. Ah. Mais là, c'est marqué panthère. Regarde. Ah. Elle est pas belle, cette petite sortie. Est-ce que je peux pas... Juste choisir ce que je veux mettre. Ah, voilà. C'est quoi ton site hein? Il demande pour ta carte interactive. Ah bah, regardez. Hop. Pardon, excusez-moi, parce que du coup, je n'ai plus le... Hop. Alors par contre, non, c'est pas en français, hein, c'est en anglais. And vu que I speak very well, pépite. Ah, mais moi j'ai chopé la première qui est passée. Hein. Et là, ça m'inspire pas cette histoire là. Mais je suppute du coup qu'il y a des différences de taille de cave parce que c'est marqué cave T1, cave T2, cave T3. Donc t'as option deux chambres ou studio quoi. Et je vois qu'il y a 30 T3, 64 T1 et 50 T2. Attends, une carrière une tête, une sachante dynamique, d'accord. Icarus une telle, bah attends, je vais regarder. Ah! Oula, j'écris n'importe quoi. Bichette Google. C'est quoi ces logos des enfers là? Ah d'accord. Ah ça c'est les caves. Ok. Ok, c'est quoi ça? Ah d'accord, il y a des caves où il y a des bestioles et il y a des caves où il n'y a pas de bestioles. D'accord. Et apparemment dans la zone... Et bah c'est surtout des caves où il n'y a pas de bestioles. Alors je sais pas, en plein désert, le ver des sables, pas fan. Pourquoi là il y a une croix là? Ah, c'est pour dire que c'est une grande. Eh, il y a des poissons. Oh. Mmh.
Tiens, regarde, un petit fourneau. Si on veut faire fondre avec quelques trucs, on attend de réparer. Dankeschön. Là, si je suis bugué sur ma carte, là. D'accord, ok. Moi, speak English. Size medium. Ouais. Size small, ça, jusque-là, je m'en sors. Size large, ok. Propriety. Water. Ah. Ah d'accord, c'est une génération aléatoire, un peu comme les cartes de Seven Day, où il y a une génération du monde qui est faite et tu ne sais pas forcément, tu n'as pas le même monde, même si c'est la même que les autres. Et c'est tout water, qu'est-ce qu'il raconte? Mushroom? Pit Hazard? What? Dans ton deux stand. Putain, dans la neige par contre, c'est blindé de verre. Hein. Oui, comme... Ah, en fait, toutes les caves du désert n'ont pas de verre. Oui, ce qui fait quoi qu'il arrive, en fait, t'as une base, mais t'as. C'est la surprise que tu vas pas retrouver, ça te montre. Continue, change pas le monde. Donc ce site ne peut pas savoir le contenu. Ouais, donc du coup, l'histoire des verres, ça marche pas, quoi. Et là, il disait, il y avait quoi? Ah, d'accord, c'est pour ça qu'elle était aussi grande. C'est qu'en fait, elle se connecte avec la cave 300 et la cave 407. Ne me demandez pas où sont les caves 300 et 407, mais voilà, je vous le dis. Celle où on situe, la grande où on a pris... Ouais. Ouais, ouais. Où on est allé dans la flotte, là. D'accord. C'est une méga... Sans verre, effectivement, c'est marqué Worms None. Water, tunnel. Bah oui, méga tunnel, je confirme. Mais du coup, c'est là. 443. Mais alors, et comment je trouve la 300 et la 407? Ça, c'est la 409. 407, d'accord, ça faisait ressortir ici. Ah bah, est-ce que du coup, ça, c'est pas la 300? Si. En fait, par cette cave, on pouvait ressortir dans la neige à droite et début du coup de gorge à gauche. Mais bon, après, pour le bison, vu le nombre de cailloux qu'il y avait dedans, c'était juste pas praticable. Tiens, j'ai modifié. Qu'est-ce que t'as modifié? Oh, t'as bien changé la maison en deux secondes. Bah, j'ai mis une cheminée, c'est plus pratique, ça coule plus vite, ça fait plus de chaleur, donc c'est très vite. Hein. Qu'il y a un fourneau derrière, je commence à mettre un peu ce qu'il faut pour réparer. Il manquera plus qu'un petit banc d'enclume et ce sera bien. Mais par contre, ça faut lui faire. Moi, j'ai rien de spécial à faire réparer. Le reste, non, mais c'est plus tard. Hein. Si un jour, on passe par ici, qu'on est vraiment. Oui, mais du coup, ça, on l'avait pas pris pour l'emmener. Mais je viens de le crafter tout ça. Ah d'accord, pardon, j'ai cru que c'était... Oui, c'est trois trucs, la cheminée, la grande cheminée, le banc et le fourneau, j'ai tout crafté là. Ah oui, d'accord, non mais j'avais pas compris, moi je croyais que c'était... Oui, non, c'est pas ce qu'il y a dans le bison. Hein. Mais après... Que justement, on avait pas de cheminée dans le bison et je le mets... Tu dis qu'il te faut du fer, mais... Non, mais on en a très peu. Mais je peux t'en trouver. Oui, je préfère tant qu'à faire... Est-ce qu'on partirait pas plutôt? Il est 6h, est-ce qu'on se. Il n'y aura pas notre route, au final, ça, c'était pas le but de à construire un petit. Tiens, sale bête. Je vous attaque parfois. Ville vert. Ah oui, c'est bon. Voilà. Laisse-moi récupérer. Hop. C'était pourquoi le faire, tu m'as dit? J'ai dit oui. Hein. Écoute, je laisse tomber, t'en as pas. On a déjà eu ce format de cave? Non. C'est-à-dire? Il y en a un petit gisement d'or là. Hop. C'est pas.
pas mal le gisement d'or ici. Bah, on le charbon pour alimenter la cheminée. Ça servira toujours. Et alors, je vais prendre un petit peu de fer. Du cuivre, titane. Hop. Bah, au pire, tout ce qui est cuit, tout ce qui est titane et autres, les trucs un peu comme ça, mêlés dans le bison. Mais il a plus de place, le bison. Non, mais pour compléter justement des. Des stacks. Des stacks qui ne sont pas complets. Et moi, je vais m'occuper de faire fondre le fer ici. Uniquement le fer, le charbon. Une meuf aveugle qui voyait plus son fer. C'est quoi cette merde? Hop. Ah, cool. La lanterne du feu est remplissable avec la graisse animale depuis le workbench. Mais alors ça, la graisse animale, j'ai toujours pas compris comment que on faisait. Le renne balise pour la maison ou tu penses qu'elle en a pas besoin à cause de l'oasis? Bon, on saura que c'est là. Hein. Scorpion, je suis plein, donc je pourrais pas bouger. J'arrive. Ah bah merde. Je me suis fait toucher, mais. Vilaine bête. Mais rien ne va. D'accord, ok. Merci. Merci. J'ai toujours de bonnes infos, moi. Hop là. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Puma! Ah, j'arrive. Ah, bah non, c'est bon. Désolé, gros chat. On va peut-être reprendre la route, non? Ouais, ouais, je voulais juste crafter un petit truc avant qu'on parte. Mais j'avais besoin des cuirs! Hop. Écoute, moi, je laisse quelques ressources ici. Ça ira très bien comme ça. Et tiens, dans le banc, je te pose une de tes flèches. Ah oui, merci. Yep. De rien. Et au moins, moi, je vais laisser fondre, hein, ça ira, je coupe. Oui, bah oui, on s'en fout. Ah, c'est un éléphant. Ouais, j'étais là, c'est quoi ce bruit? C'est qui vient boire, mon avis. Ouais. Ouais. Allez, je vais reprendre mon petit bison en follow. Voilà, comme ça, ça s'est crafté. Bonjour. Alors. Donc, celui-là, c'est celui sur lequel je monte. Ça, c'est celui qui me... je vais d'abord leur filer à boire, comme ça. Hop. C'est ce que j'ai fait, je filé à boire, j'ai bien rempli ma gourde. La gourde, voilà, après. Voilà. Voilà, un petit avant-poste de cré avec hop. Une cheminée et tout. Donc, you. Kimi. And you. Comme with me, voilà. Ah. Ouais, je retourne longer la falaise. Attends, que je dise pas de conneries. Je vois un passage d'ailleurs oui, nord-ouest là. Pour le moment, on longe. Ok. Mon petit bison il en chie lui, si attends. Mais personne n'a jamais dit que c'était marrant une transhumance, ça. Hein. Le truc, c'est qu'une fois la base créée, ben, même si on fait des allers-retours, ça sera beaucoup plus rapide, donc on va tout emballer. Ah bah oui, parce qu'après, là, ça va vraiment faire une grosse base dans cette zone là-haut.
Tu pourras t'éclater. Je pense que je la ferai très simple pour le niveau forme. Un gros blocos carré avec deux étages, histoire de tout rentrer facilement. Parce que même chaque fois, on manque de place. C'est impressionnant. Retenez ce qu'il vient de dire. Très simple. On en reparle. Quand il aura construit Versailles, on en reparle. Ah, il y a un gisement là. C'est quoi? Tu vois là, nord-ouest, nord, c'est un cul-de-sac ou pas à droite? Je veux dire, faut tirer par droite. Non, non, mais Ou... je crois que c'est là où je voulais aller. Attends, Ah, c'est le vérifie. fameux passage, d'accord. Ok. Oui, c'est ça, c'est 10. D'accord. Attends. 12, 11, 10. Oui, voilà, c'est ça, c'est 10 des 10. Si, si, c'est ça, c'est pour éviter le coupe-gorge. Enfin, remarque, ça fait coupe-gorge aussi. Oh, Mais un de peu toute plus façon, accueillant comme coupe-gorge. écoute, qu'importe où on passe, le principal c'est de vite arriver. De se trouver une zone avec de Bah l'eau en en fait, mouvement. par ce côté-là, t'arrives plus vite à du vivant, du Ok. vert. Si, il y a un truc qu'il faudra faire, vu que c'est toi qui as l'appareil. Je vois que là, niveau météo, on ne sait pas ce qui peut nous tomber sur le coin du gras là, dans ces journées-là. On est en tête de deux trucs en verre un peu gros et Oui, oui, trois oui, oui. trucs là. Et ben, si tu nous trouves une cave, une grotte, histoire de s'abriter, si besoin. Bah, si besoin, c'est soit il y en a une tout de suite en je suis perdu. Ah, là. En F9. Soit si on arrive à tenir, et il y en a une. D7, E7. D'accord. Mais on arriverait sur la zone déjà verte, jungle. Donc si ça se trouve, on n'aura peut-être pas les mêmes prévisions. Enfin, des Ouais, fois, c'est je pas les vois. mêmes suivant les biomes. Attends, je nourris la bait un peu, ça lui fait du bien. Qu'il soit cool. Il a bien récupéré d'ailleurs, je sais pas si t'as vu la santé là à fond. Moi, j'avance un peu en explorateur, d'éclaireur. Voilà. Ah bah tu vois, regarde. Ouais, Tempête. tempête en approche. Donc, du Donc coup, il faut qu'on chope celle en F9. Ouf, t'es sérieuse? J'y arriverai pas. Hein. Ah, moi c'est ça va être galère. Attends, t'es à quel niveau? Je suis tout juste au début de C11, enfin milieu de C11. Alors attends, faut que t'arrives jusqu'à moi. Sinon Si j'y t'arrives arriverai pas. jusqu'à moi, on est bon, il y a une cave ici. Moi je fais que le bison et on est encore en plein dedans. Merde. Putain, attends. J'ai fait une connerie, j'appuie sur un truc. Ouais. Elle doit être. Ah, elle est plus dans le renfoncement. Qu'est-ce que je fais de leur enfance? Bah, tu le vois Après pas là, encore, à toi, en droite, ouais. fait. Tu le vois pas Plus à l'est, du encore. coup. Ouais. Il y a un petit Je pense que j'y renfoncement. arriverai avec du dégât parce que je vois déjà là ce que je prends. Elle doit être par là. Mais je ne vois rien, bien évidemment. Parce qu'il y a la tempête de sable. Ah, surtout que je sais pas si t'as vu, il y a une zone qui est rouge après. Donc Elle est c'est plus là. des vents légers. Elle est là, elle est là, elle est là. Et j'ai l'impression que c'est une comme l'autre où il n'y a Ah, pas de. les grandes grottes, il y en a peut-être, y a Ouais. peut-être que ça dans le désert, hein. C'est peut-être pas, enfin dans ce type de désert là, une espèce Non, de gros chaîne il de y a des plus montagnes. petites, hein, il y a des plus petites. D'accord. Use the air. I lost the other moa. Where is he? Ah. Ah, T'as c'est bon. paumé un mot. I have the bestiole. Ok. C'est bon, t'y es presque. En fait, elle est là où il y a le triangle du deuxième mois. D'accord. Non, mais ça devrait le faire. C'est juste que bah, le petit bison que l'abandonne pas, quoi. Je veux pas qu'il se fasse attaquer. Ouais, bichette.
Les pauvres bêtes, bah ils nous aident et cool. Tout. Ils se font le bordel. Bah oui, démerde-toi, mon gars. Démerde-toi, on te laisse là. Mais grave, tu sais, le pauvre, il trimballe tout. Fou depuis. Bah, ça fait un moment, oui, en plus. Ah, bah oui. Si vous pouvez je dépêche un petit peu, par contre, ça m'arrangerait. Ouais, parce que j'avais pas vu, ouais, y a celle en D10, après c'est F9, et par contre après, ouais, c'est E7, hein, c'est loin après. Écoute, bah, on arrive. Je devrais être pile poil juste avant, là. Tu y es presque, tu y es presque. I see you! Enfin, I see your... your point. On the map. Allez, petit bison. You can do it. Après, j'ai l'impression que eux ne prennent pas de dégâts de certaines tempêtes, tu vois, pour le coup. Non, je pense pas, ouais. En bichette désertique, c'est pas son truc, le bison. Je crois qu'il a l'impression qu'il y a rien, c'est son truc, le bison. On arrive. On arrive. D'aller me mettre un petit peu dans la cave parce que vas-y, on va prendre des dégâts là. Je vais m'en prendre plein la mouille. J'en prends déjà, mais c'est que je veux pas que le. Je veux pas que le bison prenne aussi. Je vais vérifier. Il n'en prenne pas lui. Non, apparemment il prend rien. Écoute, tu vas voir que ça va faire comme la dernière fois. Je vais arriver, la tempête va être finie. Bah, dans l'idée, je pense que oui. Ça va pas être loin d'être ça. Il faudrait un item, une espèce de toile de tente, comme dans Ark, tu sais. Ouais, mais c'est ce que je disais, faudrait un truc où tu puisses t'abriter déployer ça même en urgence, bison, quoi, ouais. Le bison, un truc pour faire une espèce de base de fortune. Bah regarde, je suis là, et oui, la tempête va finir. Ça me permettra de me remettre. Bah, je vois pas en fait, par contre, pour plus. Avance encore. Mais c'est pas tout de suite. Tu m'as vendu ça comme juste là, mais... Bah oui, c'est juste là, regarde. Coucou. Ouais. On tranquille. Est là. Ça peut se remettre d'une tempête, moi. Je me la suis pris plein fouet. Voilà. Alors ça rejoint sur celle-là, ok, mais l'autre c'est la combien qui dit 300 ou 411. Ah oui, d'accord, ça se connecte les trois là. Ok. Ok. Aucun intérêt. On va se faire vite fait la petite pause. On l'a fait un petit peu en avance. On a 2 minutes d'avance. Mais comme ça, on fait ça vite fait, bien fait, et on repart sur la transhumance. Mais au final, on est plus si loin que ça. Ah, on touche au but. Ouais, mais je t'ai dit, la sortie, c'est début haut de D9, en fait. Haut de D9, on a le début de vert. Ah oh, bah cool. Donc on est vraiment pas loin, hein. Ah oui, donc, on pas trop. Non. On se fait la pause. Comme d'hab, 5-10 minutes, pause pipi-clop. Et on revient. Et on finit cette foutue transhumance. Et on se trouve un coin où s'installer. Au bord d'une rivière. Fort sympathique. Donc ne partez pas. À tout.
tout de suite. À tout de suite.
Et re. Ah bah tu vois. Pile à ce moment-là. Ouais. Bon, on se dépêche parce qu'en fait, on est en train d'en prendre plein les chicots. Parce qu'il fait trop chaud. Donc, du coup, on va vite crafter des bandages thermiques. Tiens, je t'ai fait un feu. Hop. Hop, j'arrive. Je m'en éloigne par contre. Ah bah oui, reste pas à côté. Ah, par contre, je suis en train de consommer une quantité de boue, c'est hallucinant à cause de ça. Et tiens, tu veux de l'oxyde? Ouais, il faut de l'oxyde, ouais. Mais je sais, ça je va et toi? Là, 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 là. Hop. Salut, ça va. Ça va, ça va. On est en train de clacos, mais... Ça va. Attends, t'es en train de me dire que le bois fait plus de charbon de bois? Bon, ça va. Attends. Laisse ça se consumer. Regarde ce que j'ai. On pense à la récupérer par contre. Hop. On va faire si ça marche. Non mais c'est ça, le bois fait plus de charbon de bois. Et comment ça se fait que t'as rien avait plein quand j'ai mis du charbon? Ben là ça me fait plus. Alors, faut de la viande avariée. Tu sais pourquoi, à mon avis, il faut que. Attends, viens, on va aller tuer une bête. On se bouge. Attends, est-ce histoire de faire cuire un truc. Tout à l'heure, quand j'ai mis du. Quand j'ai mis de la. Quand j'ai mis à cuire des trucs et tout, et la fonte, ça allait bien. Attends, mais de la viande en varie, on en a plein. Hop. Je suis allé dehors pour rien. Mais si, tue des bestioles. Je peux pas. Toute seule dans le désert, elle me voit et je peux pas tuer, voilà. D'accord. Un petit peu de problématique. Hop. Tiens. Merci. Ça a été efficace? Ben je sais pas, teste-le. Non, je suis pas en hyperthermie. Ça a dû te baisser ton temps. Non, mais j'ai pas de temps. Je comprends pas le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, je prends des dégâts, mais je n'ai rien en fond qui a un temps où je devrais prendre des dégâts. Ah, c'est parce que c'est un remède contre l'insolation. Mais c'est pas marqué normalement. Tu vois, ce que j'ai là, c'est pas marqué que ça me fait prendre des dégâts. Ah, si. Est encore augmenté, vous subissez des dégâts, l'hyperthermie, si. Y a pas le choix. La soif augmentée, vous avez besoin de vous rafraîchir. Et le pire, c'est que même en me mettant dans l'eau, tu vois, j'étais à 39 et je pensais la faire passer, mais non, ça suffit pas. Je prends des dégâts moi aussi, je vois pas. Bien sûr, tu prends des dégâts. Parce que ma vie bouge pas spécialement. Mmh. Non, mais ma vie remonte. Bah, go, écoute, on va vite se tirer. Attends, mais toi, ta vie remonte, comment ça se fait? Bah, j'ai mangé, j'ai bu. Viens me réanimer, s'il te plaît. T'es mort où? En bas, dans l'eau. Ah, t'es descendu. Oui, bah oui, il fallait que j'y aille et j'avais pas le choix. Vas-y, c'est bon, je vois ton. Je suis tout à droite dans l'eau, fais gaffe. Je sais pas comment tu vas faire pour me réanimer en plus, hein. Mon cadavre il est tout au fond de la flotte. Oh, je pense pas que ça gêne ça. Bah, tu vois, moi j'ai encore mon logo d'hyperthermie, même et avec ton bandage. Bah, là, moi je l'ai plus, ça y est, il est parti. Ouh! Il est tombé.
Merci. Attends, pourquoi je m'en trouve avec trois gourdes? Ouais, c'est bizarre. Quoi. Bon, on s'en fout. On va vite se tirer pour vite atteindre la zone de jungle où il n'y aura plus de chaud. Le souci, c'est que moi là, j'ai plus de vie. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir se tirer. Je sais pas si t'as vu la météo, on est en jaune là. Oh putain. Mais. Mais c'est pas possible. Mmh. On est dans la souplette. Bah, dès que la tempête est passée, faut qu'on se casse. Putain, on est pas loin en plus. On est vraiment pas loin, mais à la vitesse du bison. C'est toi qui as déjà mangé tout ce qui était des espèces de trucs de carottes, je sais pas quoi. Non, je pensais que ça adobait. Ah, j'aurais dû le manger. Après, attends, j'ai de la viande que... Ah bah. Ah bah attends, je le remets, j'avais pas compris que tu le mets. Non, mais j'ai le feu sur moi, si tu veux. Non, c'est mieux, ça. Ah, mon dieu. Mais moi, la température, ça va, elle bouge pas trop là. C'est plutôt stable. Ouais, moi ça va aussi. Toi aussi. Bah, je ramène nos petits animaux à fond. Voilà, comme ça. Ils sont bien. Hein ? On peut les mettre. J'ai pas entendu ce que t'as dit. T'as pu les mettre à fond ? Oui, oui, oui. Tiens, t'as des steaks là qui sont cuits. Je sais pas pourquoi j'ai deux gourdes. Est-ce que je t'en avais pas crafté une pour le voyage, non ? J'ai dû en récupérer une. Mais je comprends pas, tu as la tienne ? Ouais, ouais, j'ai ma gourde, oui. D'accord, bah oui, j'ai deux gourdes, écoute. C'est pas plus mal, hein, je savais même pas que j'avais cette réserve d'eau, du coup. Par contre, moi, c'est de l'oxygène. Je suis pas bien. Moi, je suis à la moitié, là. Moi, c'est un quart. Il me reste après, un quart j'ai de l'oxyde sur moi, donc on pourra consommer ouais. de l'oxyde. Oui, 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 mais c'est. On aurait dû. Toi aussi, on est con, on aurait dû se créer un petit sol. Un bon et de l'emporter. Mais j'en avais crafté un dans la petite base qu'on a fait il y a 2 minutes là. Ah bon ? Oui. Mais il est où du coup ? Là-bas. Bah je l'ai pas vu. Il est posé à côté de. C'est quoi cette bande artisanat ? D'accord. En fait, c'est le truc que j'ai craft avant de partir. Attends, l'enclume, je vais la mettre du coup. Bah moi je voulais mettre l'enclume là-bas et au final elle est ici. J'ai oublié de la poser. Ouais, mais bon, on en a plus besoin ici que là-bas. Ouais, tout à fait. 18h, ça a commencé à. Ouais, ça va rafraîchir peut-être. 39. Là, si on sort de la grotte, c'est plus chaud. Même chaud. Oh, c'est plus ou moins pareil. Hein. Ouais, j'ai 37 là. Ouais, ouais. Écoute, c'est même en train de baisser, je pense. Est-ce qu'on en profitait pas pour voyager de nuit? C'est moins chaud. Le problème c'est que de nuit il fait hyper froid. Ouais mais hyper froid on peut se réchauffer je pense. Après on peut partir maintenant je pense qu'il fait pas trop froid. Ouais mais t'as une grotte au cas où? Ou est-ce que tu penses qu'on peut y arriver? Je
te dis, on n'est pas loin, c'est vraiment le haut des neufs, quoi. Eh ben, allez, go. Je prends juste de la viande au cas où. Attends, mais du coup, j'ai fait le con. Pour ramasser la cheminée. Hop. Prends bien de la bouffe. Hein. Je l'ai pas, c'est ce que j'ai fait, t'inquiète. Tu peux bien remonter, hein. Franchement, le perso, il est pas mal. Hop, bah c'est bon, tu peux le ramasser. T'as pris tout ce qui était charbon et tout dedans. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Check. Bah au pire des cas, moi j'ai encore un bandage pour le chaud. Pour donner chaud, t'as pour le froid, là, les bandages ouais, thermiques. Mais c'est contre les engelures. En fait, si tu lis les trucs... Bah c'est marqué d'une pommade chauffante. Ouais, mais regarde. Bah c'est marqué guérir les engelures. Ah c'est dommage, d'accord. Donc oui. Du coup, bah, je me dis que c'est genre si t'as pas d'engelures... Écoute, je commence à partir moi parce que je me... C'est bon, je suis juste derrière. On est d'accord, prends à droite. Hein. Ouais, ouais. Il suit l'autre con ou pas? Oh putain, il s'est coincé. Oh là là, on n'a pas les chips les plus croustillants du paquet. Hein. Chamois, il se joue là, tu t'es perdu. Oui, on s'entend, t'as les chamois perdus là. Non, tu vois, 15 degrés ça te fait, ça se trouve, si on met la torche ou autre, je sais pas ce que ça réchauffe. Au pire, on peut faire un feu. Je peux poser la cheminée en plein milieu. J'ai le feu sur moi. Ouais, voilà, t'as le feu, j'ai la cheminée, on peut tout poser pour te réchauffer. D'une. On se met en sandwich. Je me perde pas, voilà, c'est là. Une droite? Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est plus court que gauche parce que ça donne l'impression d'être pareil. Non, non, à gauche, en fait, c'est plus loin. Oui, il me faudrait un tout petit peu de soufre. Si j'avais un petit peu de soufre. Du soufre, du soufre. Bah, non, je pourrais faire des torches à l'avance. J'essaie d'en voir. Ça c'est de l'oxyde. Attends. Je ne sais pas faire de la merde là. Putain mais je vois rien. Cette lampe torche c'est de la merde. Tu la... Ouais toi tu la laisses là-dedans. Moi ce que je fais je la porte à la main, dans les slots à la main. Et je continue à mettre une torche classique dans le F. Comme ça, quand je veux juste éclairer autour de moi, tu vois. Que je tape ou autre, je mets la torche. J'ai la lampe torche à la main. Parce que par contre, quand tu la tiens à la main et non pas sur l'armure, elle est hyper pratique. C'est-à-dire, t'as un bon faisceau. À la main, oui. Mais en fait, dans le truc, sur la bestiole, il est où l'autre? Écoute, tu vois, les canyons, c'est plus pratique, hein, je vois, on est bien. Y a pas d'ennemis. Y'a que des chameaux. C'est quoi, gisement? Silice, gisement profond de silice. Ça y est, j'ai la forêt. Ah, cool. Mais j'avais raison. Tu nous as fait passer par la droite du gros rocher, au final c'était plus rapide. Oui, mais en fait, je l'avais pas sur la map, le gros rocher. Dis donc, il faut des raccourcis qui arrivent. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Bon, bah là, on arrive sur le même biome que nous, pour le moment. Okay. Enfin, que notre maison principale. Que je vois des sapins, des baies. Ouais, de toute façon, comme on l'a dit, on s'installe vraiment à proximité de flotte en mouvement pour la roue à eau. Ouais, mais je pense que tout ça, là, c'est tout.
Parce que je vois sur la carte où net, comme ça fait plein de bras de rivière et tout, machin, je pense que ça doit être de l'eau en mouvement. Autant qu'il y a des rapides ou quelque chose, moi ça me va. Hein. Ben, on va croiser de la flotte en arrivant à D6. Là, pour le moment, il n'y a pas d'eau. C'est que de la plaine. Hop. Un peu de soufre. Et en arrivant à D6, on aura... Bah, tu dois plus être très loin de moi, je pense. Non, non, j'arrive, j'ai déjà la fin du biome, là, tu vois. Enfin, maintenant, j'ai personne dit qu'il a froid. Et toi aussi, voilà. Un degré, ouais, mais ça va. Un degré, c'est... Il est pas gelé. Je vois une cascade devant moi. Je sais pas si toi aussi. Non. Ah non, c'est pas une cascade, pardon. C'est, non, c'est l'arche, oui. C'est passé ça fait un effet... à droite, à gauche. Je passe en plein milieu, je crois. Oui, je veux dire, t'as... c'est pas des passages différents. Non, je vais pas chercher. Attends. Où est le deuxième pigeon? Mais il était là il y a 2 minutes. Mais tu devais surveiller. Mais il était là il y a 2 minutes, il était derrière moi. Ah bah je t'applaudis pas. Il est à gauche là. Tu vois pas le triangle sur la map? Bah si, c'est ce que j'essaie de regarder, mais ce qu'il y a c'est que des triangles, il y en a 15 000. Parce qu'attends, ça doit être le bison. Ah c'est celui à gauche, plus à l'est, tu vois. Je pense que tu l'as perdu il y a un petit moment. Bah non, il était... je te jure, il était derrière moi il y a 2 secondes. Il est pas parti boire, genre un truc comme ça? Il avait à boire, cette affaire de con. Ah ouais, putain, j'en sais rien. Va le retrouver maintenant. Mais Maurice, qu'est-ce que t'as foutu? T'es où? Non mais c'est insupportable. Non mais si à tous les coups c'est... Mais pourtant il était derrière moi il y a 2 minutes. Je vous jure qu'il était derrière moi il y a 2 minutes. Je suis obligé d'arrêter le perso 30 secondes. Pour avoir la lumière. Oh lolo, putain, mais il me fait rollback de fou. Mais je capte pas où il est ce machin. Non, je suis reparti carrément. Et ça va vraiment de chef cette histoire. Bah surtout qu'on voit son triangle quand même. Oui, il est entre toi et moi, regarde. Bah oui, c'est... Mais... je suis passé par là, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas glitché dans quelque chose ou un truc on comme m'explique. Ça. Je reprends la stam. Oh là là, mais il va finir en beefsteak ce truc. Si tu veux. Censé être face à moi là. Putain, il est là. Viens là, du con. Oui, glou 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 glou. C'est quand même toi qui l'as perdu. Mais il s'est perdu tout seul. Je sais pas où il s'est barré. Oh putain, et puis un glou. Putain. Mort. Moi j'ai pris un petit lapin. Ah mais j'ai un loup niveau 108 dans moi. C'est nos niveaux qu'il faut augmenter de niveau ou comment ça se passe? On n'a jamais eu si haut au niveau les loups et tout. C'est peut-être la zone hein. Parce que regarde quand on est allé dans la neige ils étaient plus haut level aussi hein. C'est vrai. Hop. Ah une tempête arrive. Attends, où est-ce qu'on se situe là? Ouais, si t'avais un truc pour nous protéger, ce serait cool. Faut qu'on avance. Bah oui.
Mais putain. C'est une sacrée tempête, hein. Est-ce qu'on va y arriver? C'est soit on avance, soit on recule légèrement. Non, avance, avance, avance. Moi, avec le bison, ça va être la mort pour. Eh ben, trace. Ah, mais j'ai besoin que tu me covers un peu, des fois, il y a des, pas mal de trucs, tu vois. Oui, sauf que je suis coincé dans je sais pas quoi. L'autre con, mais. T'aurais pas. Une petite. Il y a un moa qui t'attaque. Ouais. Merde, c'est le nom, tu l'as. Bah oui, pourquoi tu l'as tiré dessus, tu sais. J'ai bien que tu l'as perdu, mais c'est pas la raison pour. Mais non, mais je l'ai vu arriver en courant et j'ai cru que c'était un ennemi. Ouais, c'est ça. Viens avec moi, viens en direction. Ah, je te vois. Regarde ce qu'on va faire. Allez, tu bouges pas, toi. Tu veux faire un bout de cahut? Ouais. Bah, c'est le seul moyen de s'en sortir, hein, je pense. Oh putain, ils sont encore coincés. Il est insupportable, celui-là. Ah, c'est le mien. Hop, tu stay ici, tu bouges pas. Aïe. Faut de la fibre, je crois. Ouais, ouais, bien, j'en ai un petit peu, mais prends plutôt de la tige, je m'occupe du bois. Parce que du bois, je récolte vite, la fibre pas du tout. Oh là là, cette expédition des enfers. Attends, j'ai quoi? Contusion, commotion cérébrale. T'es tombé un truc sur la tête, toi. Oui, je me suis pris un arbre. Mais ça le mettait pas avant, si? Si, si. Oh là là. Oh, mon poids se positionne jamais comme je veux. Bah, tant qu'il fait office de tour. Ah. Ah super, je peux pas les enlever, je sais pas comment faire. Voilà.
t'emmerde pas, la tempête est finie. On est poissard jusqu'au bout, c'est pas possible. Ouais. De rage, je te vois tout détruire. T'as... T'en es mort. Ouais, je vais te laisser ça. Mais par contre, le reste, je vais le reprendre. Le bois, je vais le garder, ça va commencer. Je vais remonter une vite fait. Toutes les stacks, on va les mettre dans le... Disons. Je sais pas s'il y a de la... s'il y a de la place. Oui, oui, bien sûr. Allez, zou. Fais gaffe, il y a un mot à droite. Ouais, je l'ai vu, je sais pas si je vais pas lui plier. À gauche, pardon. Non, 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 regarde. Oh, ça, c'est le petit. T'embarrasse pas, hein, si... S'il nous chasse pas, il y a aucune raison de... Allez, faut qu'on se trouve un endroit avec de la flotte, on y restera. On pourra établir un tout petit campement en attendant de trouver le bon endroit. Ben là, l'eau, on la rencontre en D6. Ah oui, pas avant D6, d'accord. Bah allez, c'est notre objectif là, avant la fin. Ton bison s'est coincé dans des bisons. Oui, j'ai vu. Je trouve ça un peu triste. C'est ce que je voulais dire, ça m'a un peu attristé. Où qu'il est mon bison? Il est de la bouffée. Attends, ici, je fais comme ça. Est-ce que sur le Moa, ça change quelque chose? Que c'est insupportable. Est-ce que j'y vois mieux? Ah oui, non, d'accord, ok. Si tu fais ça en monture, tu ne vois plus rien en fait. Parfait, il y a des baies. Ça me permet d'en faire un petit plein. Fais gaffe, il y a un ours à droite, 119. Oh là là, je l'ai pas vu. Je vais faire dévier le bison. Et s'il vient, bah, pas grave. Je me tiens prêt. Dévie vraiment, ouais. Ouais. Comme si tu dévies, tu tombes. J'ai cru qu'il nous avait aggro. Oui, si au final c'est pour tomber sur Pierre. Alors, en plus, j'ai l'impression que. Il vient dans la direction. Ouais, j'allais dire que le jour se lève, mais. Je fais gaffe parce que moi le bison est lent. Ça, j'essaie de passer un peu devant, mais de surveiller aussi derrière. Il y a beaucoup de moi. Hein. Ouais. Ça va en faire du beefsteak. C'est clair. Et ça fait plein de ressources aussi. On arrive dans une nouvelle terre avec plein de baies, de... Oui, bah oui, tout ce qu'on avait pillé. Ah, oui. Chez nous. Je crois que j'ai toute ma tenue, ouais, qui est endommagée de fou. Ah oui, aussi, j'avais pas vu, effectivement. Okay, ouais, c'est la tempête. Ah, c'est la tempête qui les abîme à ce point. D'accord. Il y a des routes à droite et à gauche. J'imagine que ça n'apporte rien. J'ai un loup devant moi. Mais il est pas beau au niveau, je crois, de ma force. Ça. Là, il faut qu'on continue. Bah, peu importe si on longe droite-gauche. Parce que de toute façon...
Bah, je te nous suis. De toute amènera façon. au même endroit. Faites tout Ok. droit, quoi. Direction nord. Ah, c'est bien, direction nord. Soyons professionnels. Sanglier là, j'espère qu'il va pas m'attaquer. Mais... Logiquement, si t'es pas juste devant lui, t'attaques pas les sangliers, c'est ça. Je crois qu'ils ont une aggro qui est relativement proche. Ouais, pas Faut, faut vraiment. Je suis j'ai obligé passé un niveau d'avancer. d'ailleurs, tiens. Moi, je crois que je vais pas tarder. Ouais. Si, je crois que là, il t'a vu. Qui donc? Le cochon. Il attaque le bison. Ouais, à part qu'il est dans la. Ah bah c'est le GEP. GG? T'es combien du coup? 35. Ouais, toujours un niveau d'écart. T'es 36 toi. Ouais. Putain, c'est fou ça. C'est quoi, moi j'ai mis 2 points dans affronter la tempête. On est très souvent exposé du coup. Allez. Ça continue d'avancer. Oui, en fait, il y avait un cochon devant. Ok. Donc je l'ai tué pour pas qu'il nous gêne. Le problème, c'est que je vais passer assez lentement devant et les cadavres, c'est d'attirer un petit peu tout le monde. Je sais pas, je vais pas me prendre un ours. T'inquiète, si ce petit bison, il aura mérité du repos. On le met à la retraite après. Dis pas il ça, aura le droit d'aller. Non, mais la retraite d'habitude dans les bouffes. Bah non, mais la vraie retraite, pas l'abattoir. Non, il ira paître dans les prés. Puisqu'il aura bien travaillé, il aura été un gentil petit bison. C'est vrai. Bah, les moi aussi, bichette. Quand même. Allez, petit bison, tu peux le faire. Mais bien sûr qu'il peut le faire. Toi aussi, parfois, t'as des espèces de découpage au sol qui s'affichent. Hein? Moi, j'ai des au sol, j'ai genre des câbles. Non. Là vers moi, tu vois, ça fait un découpage. Je sais pas si c'est la map, le chargement ou autre. Pas sur le moi, fais voir à pied. Là, tu vois, où je me mets. Attends, t'es où t'es là? Bah non. C'est une zone de découpe de la map, peut-être, je sais pas. Bah non, j'ai rien. Je vois la flotte. On va enfin pouvoir poser une petite base momentanée. Ouais, on y arrive, on y arrive. C'est bon, il fait toujours le bison. Ouais, je le vois. Oui, non, mais c'est une brave bête. Hein. Non, mais je fais attention de pas le coincer. Parce que j'en connais une, elle a perdu un moa. Ah non, mais. Hein? Non, moi j'ai la meilleure chips du paquet, t'inquiète. Hein. Mais le pire, c'est qu'il était vraiment derrière moi. Alors, je pense qu'il est reparti en arrière faire je sais pas quoi. Parce qu'il était à côté de moi quand je t'attendais. C'est ça que j'ai pas capté. C'est pour ça que quand je me suis retourné, j'ai fait mais il est où ce con? Il était là il y a 2 secondes. Moi je suis sûr, il s'est dit vas-y, je l'ai lourde là, il me saoule. Ouais, cool derrière, écoute. Et il a tenté voir s'il y avait pas moyen d'avoir une meilleure vie. J'ai entendu un cri bizarre pour le moment. C'est pas Herbie. On y est presque. Il y a énormément d'oxyde. Ouais. Que... Après, il y en avait peut-être beaucoup si oh, on était, mais je m'en rendais pas compte. La petite rivière. Oh, c'est joli. C'est mignon. Il y a du courant. Donc, t'es roi, ça marche. Oui, mais j'aurais pas fait la vraie base ici, on aurait sorti genre une petite zone oui, vraiment. Oui. Top, top.
Alors par contre, je sais pas toi, mais moi j'ai moins de soucis et de lag, hein, vraiment. Ouais, alors j'ai des petites chutes d'FPS, mais à 50 quoi. Oui, des trucs, on va dire un peu normal pour un monde ouvert, quoi. C'est pas du pétage de gueule à neuf. J'ai pas eu de pétage de gueule à neuf. Bah écoute, on s'installe ici. Hop. Bah vu qu'il fait jour, est-ce qu'on se tente pas? Il y a un petit coin, ça a l'air sympa. Bah de. Tu vois sur la map, on est à un bras de rivière. Il y a une autre rivière quand on traverse. Ça fait un autre bras. Et il y a un autre bras qui fait plus gros, en haut des 6. Oui. Est-ce qu'on irait pas par là? Allez, si tu veux. Je sais pas, ça m'inspire. Eh ben allez. Ah bah oui, je vois que c'est vraiment pas profond ici, regarde. Du Ça coup, se tu peux pas trouve. pêcher. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de poisson. Après, j'ai l'impression que les spawns. Non mais vu la profondeur, j'allais dire, il n'y a peut-être pas de poisson. Ouais. Là, par contre, il doit y en avoir. Est-ce qu'on se mettrait pas la grosse embouchure au début de 6 à gauche? Histoire de vraiment goûter de l'herbe, quoi. Le triangle en U6 là? Ouais, il y a une grosse embouchure, un Ouais, gros... ouais, ouais, ouais. Tu veux peut-être qu'on longe. Tiens, fleur de roseau. On l'avait pas ça. Si, si, si. Ah ouais? Ouais, Je si, faisais si, pas si. attention alors. Si, si, il y en avait pas au lac où on était, celui du dessus. On avait souvent les missions là. Ah d'accord, ok, le petit lac, ouais, ok. Bah j'y faisais pas attention, tu vois. Il y en avait moins par contre. Dans la dégaine de la map, tu vois, par contre dans le style, hein, je dis pas que dans les graphismes, hein, mais dans le style me fait penser à certaines zones de arc là pour le coup, comme ça fait. Putain, quelle zone de arc? Les plaines avec le côté des rochers un peu de partout avec des plaines. Alors attends, ce serait là-bas. Ok, on va traverser. Est-ce qu'on se met de ce côté ou de l'autre? Bah, on va voir. Non, c'est rien. Là, ça m'a l'air fort caillouteux, non? Ah, de l'autre côté, Ouais. regarde. Là. Hop, Non, mais moi je vais de l'autre côté, écoute. ouais, tu veux. Oui, mais là-bas, ça faisait trois. Merde. Voilà. Oula, il y a la texture un petit saucée. Oula. Tu veux qu'on se mette à la pointe qui est plus en tout en haut de 6, c'est ça? Alors attends, t'es où Maurice? Parce que là mon gars, tu fonces sur un ours. Je vois pas. Je vois des bisons, mais je vois pas l'ours. Bah après les bisons, en fait l'ours il est vers la fin de la terre quand t'arrives vers l'eau. Ah. Bah, c'est là où je voulais m'engager. Je peux savoir où il est mon oiseau encore? Tomber à l'eau. Tomber à l'eau. Attends, je vais traverser avec toi parce que. Et il est un peu plus loin. Dans la direction où tu regardes, un peu plus loin. Mais je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, c'est bon. Mais en fait, il n'y en a pas qu'un. Ah! J'en ai vu un passer sur la gauche et c'est pas lui que j'ai pu voir repartir à droite. Et toi, c'est où que tu voulais t'installer? Eh ben, je disais en face, là. En face. En face. Direction, s'il te plaît. Plus est que nord, entre nord et est. Eh ben, go. Je sais C'est pas, marrant la petite liste ça là, avait quand même. l'air plat et tout. Et oui, c'est ce que je disais avec l'île, peut-être ça se trouve, tu peux arriver à faire des trucs. Non? Ouais, bah Il y a genre écoute, des on s'installe en ponts ou face. je sais pas. Alors je sais pas à droite ou à gauche, mais ça avait l'air plus plat. Oui, c'est vrai que c'est pas trop mal. Effectivement. Attends, je crois qu'il faut que t'aides ton bison. Ouais. Genre là au bord, tu penses? Ouais. Je sais pas, je trouvais la zone sympa. Ou en face, c'est peut-être plus facile, non? Peut-être J'ai moins de aucune cailloux. idée pour. Hein? Parce que là, ça a l'air. Quoique là, ici, là. Là derrière, regarde là.
tout ça là. Ouais. C'est vrai que oui, ici, juste là, tu veux dire là, sur ce plateau. Moi j'ai carrément barre de flotte quoi. Bah remarque, oui, là c'est pas mal parce que tout ça on va le casser. Bah, le problème c'est que la flotte, j'aurais vraiment aimé une flotte en mouvement à proximité pour retirer les petits câbles très ouais, courts, mais tu sais. si tu regardes, elle est en mouvement. Bah j'espère que c'est suffisant pour. C'est en pas un face, lac hein. C'est vrai qu'en face au nord là c'est encore plus plat. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Est-ce qu'on irait pas en face là? Ça m'a l'air Ouais, plus plat allez. encore. C'est vraiment pas mal là. J'aime bien la zone. T'as item ce bison. Ah oui. Parce que ce qu'on Parce essaie de que subir depuis tout à l'heure. vraiment, il suit sans rechigner. Franchement, moi je pensais de l'amour. Tu ferais la maison, mais la définitive ici, quoi. Bah, on va peut-être commencer par faire un genre de bout de cahute. Et voir Ouais, après, ouais. vu qu'on n'a pas exploré le reste, on sait pas définitif. Je vais poser le bison là. Parce que là, quand je regarde la map, il y a une zone en B6, B5, C6, C5 qui a l'air pas mal aussi. Oui, au pire des cas, on fait qu'un petit bout, Donc mais. là, pour le moment, est-ce qu'on se ferait pas la cahute de base, entre guillemets? Oui. Et on fait mieux comme on a fait jusqu'à présent, en soi. Est-ce que tu aurais de. Non, c'est du bois qu'il me faut. Donc je vais pouvoir récupérer sur le bison. Après, s'il te faut de la fibre, j'en ai. Bah non, même pas, parce que tu m'en as tellement récupéré, j'en ai pas. C'est quand même Je vais dommage. faire une. Écoute, je vais faire une baraque exactement comme celle de l'an désert, du 6 blocs. Bah, pour commencer, c'est bien. Pour ça, tu me dis si t'as besoin que je te farme de la pierre ou. C'est marrant, de base, t'as vu? Quand tu poses les dalles de sol, il te les met en quinconce, tu mets une des rondades dans un sens, une dans l'autre. Ah oui. J'avais jamais fait attention à ça. Non plus. Pourtant, il me semble qu'elles étaient toutes dans le même sens à la C'est moi base, non? qui les mets volontairement dans le même sens. Ah, c'est toi après qui. D'accord. Parce que j'allais dire, mais il me semblait qu'elles étaient en bande. Mais tiens, c'est un Winchester sauvage qui apparaît. Comment qu'il va? Salut Les Winch. tortionnaires de grosses dindes. Bah, là pour le coup, celui qui a le plus pris, c'est le pauvre bison. C'est qu'il a ramassé. C'est pas tellement les dindes. Les dindes s'en sont plutôt bien sorties. Mais alors, bichette, le pauvre petit bison. Avec sa chariote, là, il a galéré, hein. Est-ce que. C'est pas des haricots ça? Si! Bah comme ça je vais pouvoir leur filer à bouffer. Fougère. Dis, j'en Bref. avais plein. Oui mais là il y en a. Et pendant que tu construis, j'explore mon environnement. Je vais me faire bouffer. Ah. Mais j'explore l'environnement. Et il y a plein de. Alors j'allais dire de courges. De potirons pour pas qu'on dise que la courge c'est moi. Et comme ça, la vanne, regardez, je voulais plier en 2 secondes, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Parce que je crois qu'ils mettent courge. Citrouille. Ah, c'est une citrouille, voilà. Pas un potiron, c'est une citrouille. Est-ce qu'ils ont faim? Ah oui, ils ont faim, ils ont soif, ils ont. Ils ont un peu tout, la bichette. Tiens, mais il faut partager avec les copains. Bah, ça fait, t'as pas trop faim, toi. T'as pas trop soif non plus. Mais tu l'avais peut-être nourri, ton bison, non? Oui, moi je l'ai Et rempli voilà. par contre. Voilà, parfait, j'ai foutu Ouais, les 2 grosses du bois dindes. encore. Il te faut du bois. Hop. Du bois. Mais je vais le prendre, t'inquiète. Bah j'en ai un peu sur moi, tiens, si tu veux. Hop. Vas-y. Oula. J'avais perdu ma Il semble souris. que j'ai pris tous les stacks sur le bison. Merci.
On va commencer la défriche, hein. Ça gâche la vue, tout. On va mettre du béton. Ça coupe du bois, ça m'attrait des animaux, il manque plus que la fabrication d'hydrocarbures et c'est le remake de la future apocalypse. On peut récolter du biocarburant dans comment c'est l'exo... Exo je sais pas quoi là. C'est un peu pareil hein. Ah les... Les geysers là d'hydro je sais plus quoi. Les exotiques là je sais pas quoi. Oui voilà. Étant donné qu'on peut pas respirer sans ça là... Qu'on fait notre petit biocarburant à coup de bâtons de fibres et de viande pourrie. Demande le DLC réchauffement climatique. T'inquiète, on va le provoquer. Bah déjà, on va commencer à défourailler tout le bordel là. On va tomber tous les arbres. Bye bye la forêt. J'ai vu passer un arbre à 30 cm. De ma tronche. J'ai déjà eu le trauma crânien, merci, c'est bon. Le perso, il a mis 3 plombs à 100 mètres. DLC nucléaire. Vas-y, fabrique ta centrale après, let's go. On va la charbon, histoire de. J'ai pas dit que je voulais construire Lyon. Grosse plante là. Bon, on a un toit sur la tête, déjà ça. C'est un bon début, je trouve. Un excellent début, pas sincèrement. Parce qu'on pourrait ne pas avoir de toit sur la tête. Et ce serait triste. Hop. Là, je t'ai fait un peu des stacks de bois là. Merci. C'est cyclique un réchauffement. Bon, là, celui-là, on l'a bien aidé, mais. C'est cyclique. Pourquoi placer ces foutus bâtons? C'est le meilleur. Enfin, les bâtons? Les piliers? Les piliers, ouais. Ah, oh, bah, ça te rappelle un autre jeu. Non, c'est bien mieux que oui. Parce que, non, l'autre jeu, il partait dans le turfu. Nous terrons son nom. Nous terrons son nom. Mais non, mais je vais pas brûler sa maison, arrête, bichette. Ah non. Non, parce que là, pour le coup, c'est moi qui dors sur le canapé. Il est pas très confortable. Il fait un peu mal au dos. Rien de me brûler des baraques. Mais j'ai pas trop envie. Voilà, des grands coups de renfort sur la maison, ça ira bien. Faut que tu m'as posé tes piques, tes stacks de bois au seul endroit où j'avais besoin de. Vous t'avez besoin de quoi? De poser un pilier, mais c'est pas grave, je le poserai plus tard. Non mais. Je fais tout bien et tout, je vais lui chercher du bois, machin. Et voilà, t'as fait n'importe quoi. T'as fini? Y'a-tu de la fille, s'il te plaît? Bah non, voilà, j'en ai pas, tiens. Non, j'ai mis dans le bison. C'est le bison, c'est la fibre, ok. Mais c'est ça, je l'ai bien posé. Je vérifiais quand même que je te disais pas une connerie, parce que t'aurais dit que j'avais fait exprès. Alors que pas du tout. Mais si, si, je l'ai mis sur le bison, c'est bon. Je suis pas encore complètement zinzin.
Hop. Bon bah voilà, ça c'est fait, ça fait une cahute. Bah là y a rien qui craint. Mais t'as déjà fini? Ouais. Bah parfait. Ça va pas que tu gaiseries ça, ça. Ça fait vite. Bon bah voilà les amis, on est arrivé dans la zone où on voulait aller. Bah maintenant y a plus qu'à l'explorer. On verra ce qu'on y trouve ou ce qu'on n'y trouve pas. On verra si on survit ou si on ne survit pas. On a survécu jusqu'à présent, ce serait con quand même de mourir maintenant. Mais vous... Ah bah oui, carrément, après cette transhumance. Des tombeaux. Ah non, stop. Mais vous saurez ça demain. Voilà, on se retrouve demain soir pour la suite d'Icarus. Et si on s'en sort ou pas. Voilà. Merci à tous d'être venus, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain! Salut! Bye bye!